Chers amis, téléspectateurs, chers auditeurs, bonsoir, bonjour. Ça dépend de côté que vous attendez nous. C'est avec plaisir, avec fierté, que l'émission Paul, le docteur, nous conseille entre la caillou encore une fois. Nous voulons dire, sur mes émissions, on a toujours rappelé ça. Abonnez-vous sur la page nous. On fait Jean-Daniel Falaise. Et puis on prend toute série que nous fait déjà yo apparaître devant on fait abonner ou encore qu'a fait subscribe et puis on aller sous petit cloche là qui à droite et puis qu'on y a même ou capable abonner avec nous et chaque là une série sorti ou premier monde qui a joindre li sous remet nous ba nous petit like là ba nous petit love là et qu'on ça n'a capable aider sur le plan sanitaire. Nous voulons saluer tout le monde qui a écouté nous. Du côté de Boston, cela veut dire les amis de Golgotha, les frères et sœurs, les amis de Brockton, les amis de Devon, Marie, frère Oswald, monde qui a écouté nous Spring Valley, New Jersey. Nous avons des amis également qui a écouté nous en France, le docteur Ricardo, nous voulons dire bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez regarder. Nabdi, docteur Dessous, bonsoir également, qui a écouté nous du côté du Mexique. Les amis de Georgie, Nabdi, bonsoir, frère Charles. Les amis d'Haïti, Vladimir, Tanyushka, Maxo. Enfin, tout le monde qui a écouté nous, émission Rive Loin. Nous pas oublier saluer également la grande famille Falaise, qui a écouté nous du côté de Montréal. La classe de Dikini, également les amis du docteur Jean-Daniel Falaise. Et nous saluons spécialement le docteur Jean-Daniel Falaise, l'infatigable. Bonsoir, docteur Jean-Daniel. Bonsoir, Chantal. Bonsoir à tous les amis. Nous sommes toujours sur YouTube et Facebook, bien sûr. Et c'est un plaisir pour nous, pour rentrer à la caillou après-midi. Nous sommes bienvenus et nous sommes partis pour une très bonne émission. Docteur, nous avons parlé sur le même thème ça qui a fait ravage, qui mettait mon. Au bout du désespoir, nous ne savons pas qui ça pour nous faire, c'est le coronavirus. Nous voyons que l'a fait des dégâts toujours. Il y a des gens qui ne savent pas qui ça pour nous faire, comme nous disons déjà, le mettre au désespoir. Donc nous t'arrêtons, mais comme son terme que nous pouvons comprendre, la dépression, docteur, nous t'arrêtons, mais que vous définissez comme son ami qui dit nous ça, qui ça? Désespoir, dépression, et qui rapport qu'elle a eu avec le coronavirus. Bon, nous disons encore une fois, chers amis, c'est le thème de dépression, c'est un thème qui est assez vaste. Il y a peu de temps qu'on est là pour définir la dépression, le type de dépression qui a eu, et les signes symptômes, les traitements. Enfin, c'est toute une émission que le temps pas assez pour lui. Maintenant, essayez de parler quand même, vu que c'est un patient qui m'a demandé pour parler de sa pouille et comparativement avec le COVID-19 là, qui a fait encore et qui a fait cri à travers le monde entier. Et oui, on essaie de définir la dépression. Tout d'abord, la dépression, c'est une maladie psychosomatique. Ça veut dire c'est une maladie qui a affecté psychico et qui a affecté le corps. D'accord? Maintenant, c'est une maladie qui va en série de signes et symptômes. Le patient sent que lui a une grande tristesse, lui est plongé dans le désespoir. Tout ça que lui fait et pour lui n'a pas un sens du tout. La vie pour lui n'a pas un sens. Donc, le patient lui-même sent que l'humeur est vraiment de mauvaise humeur. Il n'a pas à dormir, il n'a pas à appétit pour le manger. Il a envie pour jouer à Crasmoun, pour parler à Crasmoun. Et très souvent, les a-t-il mieux lorsque les réducteurs sont dans ces coins. Donc, il y a un monde qui paraît, il y a un monde qui est antisocial généralement. D'accord? En gros, ce maladie qui est demandé pour passer sa santé à prendre en charge par des professionnels de santé parce que c'est un monde qui a besoin d'aide. D'accord? Et il y a une dépression qui a passé de la tristesse, disons, de jour en jour à grandir et qui a même fini même. Jusqu'à un suicide et que les gens sont capables de tuer la tête. Donc, c'est une maladie, bonjour à ça. C'est une maladie qui m'a demandé une prise en charge. Alors, là, j'essaie de parler un petit peu de l'état dépressif. Actuellement,
nous avons un moment de pandémie. Le nom de la pandémie, à cause que après la caillou, ça qui nous est le confinement, si nous avons un problème, nous ne sommes pas sortis. Nous sommes ennuyés dans un espace qui est réduit et l'homme fait pas vivre dans un espace qui est libre. Tout ça affecte le psychique, nous, bien sûr. Maintenant, il y a un état dépressif capable rationnel, encore capable transitoire, ça avait dit. Il y a un monde qui perd un proche parent, ou bien il est capable de vivre un moment sanctionnement, il est capable de sentir qu'il est dépressif parce que, waouh, il y a un moment de deuil. Mais ce moment qui est passé avec le temps, il n'y a pas de rester. Si un monde qui perd un être cher lui-même, après il va faire deuil, ça répète des mois et des années. Là, c'est un monde qui vient un problème. Il n'est pas normal encore parce que les supposés transitoires, il n'est pas doué être tout le temps. Et ensuite, il y a un monde, par exemple, actuellement, qui a vécu un moment ça, ce moment de pandémie. Oui, il est dépressif, mais pas oublier que, chers amis, la pandémie, en ce moment, que qui est transitoire. Damien dit ça pour nous suivre. La pandémie n'a pas été tout le temps. Oui, il est dur. Puis actuellement, quand on a augmenté, mais comment disons, et n'a pas plus ou moins espoir que ça va baisser dans le jour qui vient là. Mais quand même, je ne vais pas dire pour nous pas prendre les précautions qui sont nécessaires. Maintenant, ce qui est important, c'est que le moment ça passe pour nous. Mais nous-mêmes, comment nous dépasser le moment ça actuellement, tant qu'au moment transitoire. Tout d'abord, ce n'est pas quitter tête non. Et pour ne pas avoir notre problème psychique, moi je dis déjà, après COVID-19, après la dépression, nous ne pouvons pas prendre vraiment les mesures pour prendre. Donc, chers amis, divertissons-nous, pas arrêter toute la nouvelle, toute la fin nouvelle, il y en a pour cadavre, cercueil, non, ça très alarmant, et il y a fait que non, pile, ce qui est très déprimant, le vrai. Bon. Donc, comment nous-mêmes nous avons fait, c'est que peut-être non, occupé, busy, d'accord? Si mon yo fait activité avec la caille, jouer avec yo et sortir dans la cono, créer une ambiance pour que nous ne pas trop concentrés dans la caille là, d'accord? Mais maintenant, ce n'est pas normal et nous avons gagné et mon pas nos amis nous tous et nous avons pu être capable de nous faire des nouvelles qui ont perdu un être cher. Oui, partager avec yo au moment ça et relayer yo au téléphone. Faire connaître ou avec eux, mais ou même par exemple, essayer de connecter un petit peu de nouvelles macabres. C'est-à-dire que, on va garder ce qui est exposé, faire attention à ça, parce que ça va affecter nous. En gros, chers amis, les gens soleil, ils font bon temps aujourd'hui là, pas en décaille là, sortir dehors à petit soleil. Parfois, les temps les fermer tout, les démons tout pour nous être capables de nous être dépressifs tout. Et pas dire que, chers amis, la dépression, les gens ont un fort pourcentage hérédité dans l'année. Il y a des gens qui font même pour nous toujours dépressif. Donc, mettez-nous positifs, les amis. Pas mettre le cabane en tête, non, nous parler, non. Mettez-nous bien. D'accord? Passez moment ça avec un peu d'enthousiasme. Mettez-vous bien, sortez dehors dans la cour, après le soleil, les amis, chita avec les amis, bâti blague, si vous jouez à Timon, passez moment, créez un bien chantant. Pour que ça sentir bien, normalement difficile ça, d'accord? Par contre, finir quand on a la net, les filles doivent prendre nouvelle, oui, ça la cause au fait de pression. Et pas oublier qu'après que le moment ça passé, c'est un moment de grande tristesse, la passé, je dis ça déjà, chers amis, et pour un moment, la passé, on a gagné un moment, on a relaxé nous encore. Nous allons reprendre nos activités, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc, faites attention, chers amis, pas tomber dans la dépression. D'accord? Qui peut être très positif, faire des exercices physiques, parler avec les amis, non, battre des blagues, prendre des jouer avec eux, créer un best que nous pouvons faire, et mettre des musiques, nous danser, et rire tout le temps, chers amis. Comme disait François Villon, mieux vaut le rire que les larmes écrire, car le rire est le propre de l'homme. D'accord? On nous crée bien ça pour ne pas tomber dans un état dépressif, parce qu'il a passé par des messages qui sont très difficiles pour nous, chers amis. Donc, nous croyons que les amis auditeurs, ça qui t'a posé nous, ou encore les amis téléspectateurs, ça qui t'a posé nos questions, ils jouent une réponse. Qui veut dire à nous-mêmes tout, même si nous ne pas faire dépression,
nous qui apprenons soin tête nous tout nous-mêmes. Oui. Baiti blague la kay nous. Rire, rele l'autre monde. Donc bay tête ou yon ambiance côté qu'on sent à l'aise. Côté que oublier tout ça qui passé yo, mais qu'on y a ou vivre le moment présent. Donc nan, à tout monde, c'est ça que nous avons pour nous aujourd'hui. N'a dit nous merci de ce que nous écouter nous et pas oublier abonner avec nous Jean-Daniel Falaise toute l'autre série a monté et pour appuyer sur petite cloche là pour capable personnaliser et comme ça nous connaît que le docteur nous conseille à rentrer la caillou la et d'eau descendre stress ça passer Covid 19 non en bas bras l'éternel avec non seulement n'a ba nous des conseils sanitaires et n'a vini avec des conseils bibliques également très bientôt pour nous capables de nous consacrer pas oublier tout bagay gagne un temps donc moment yo difficile mais on nous serrer les mains on nous rester attaché avec l'éternel également et comme ça n'a ba nous rendez-vous après le Covid 19 pour des émissions encore plus belles. Donc à tout le monde, nous voulons dire nous pas oublier slogan nous c'est santé, c'est richesse, prévention, c'est sagesse. Donc à tout le monde, nous dit nous bye bye et à la semaine prochaine. Et merci beaucoup docteur Falaise et nous pas oublier dire merci à technicien nous qui est en background, c'est le frère Gerson Fogg. Frère Fogg, nous pas connait comment pour nous juste dire. Juste avant qu'on termine avec le programme là. Merci. Alors, nous avons pour nous tour et une bonne nouvelle. Nous avons appris que nous avons affecté à cause de la virus là. Et nous avons appris que nous avons fait mieux avec. Parce que nous avons dit que nous avons fait exercice quand même. Nous avons appris que nous avons fait chaud. Ensuite, nous avons fait chaud. Et ils ont essayé de sortir pour ne pas avoir trop de stress. Ils ont fait sucre. Ils ont dit que nous avons fait normalement. Ils ont fait sucre au niveau normal. Tension yo et pas médicament yo moun qui fait asthme yo prend pompe normalement et nous rempli pas ça ça qui pouvait dire nous voir que yo fait grand mieux actuellement il a sorti de infection qu'on a vu ça va bien ça sont très bonnes nouvelles exactement et aurait les nous dit nous non seulement qu'on y a même voyo venir retourner normal pour moun qui pas quand même parler même yo venir normal. Donc ça fait nous du chaud au cœur. Alors là, je ne pas oublier. Continuez tout vous mettez masque, vous sortez par bien. Mettez masque, mettez gants. Là, il faut souvent éviter tout le monde par bien. Même si vous pour pas réinfecter. Rappelez moi que vous qui est réinfecté encore. Donc il faut faire attention, d'accord. Donc là, continuez à prendre les précautions. Rétez la caillou surtout autant que possible pour que vous puissiez sortir définitivement de cette pandémie coronavirus. Donc, nous disons à tout le monde, au revoir et à la semaine prochaine. Et merci beaucoup à tous.